Ce soir, la salle est éclairée. En cette fin d'hiver, elle baigne dans la lumière artificielle. Remercions la musique qui nous accompagne grâce à la fée électricité qui permet de nous voir sans difficulté. Alors, ce qui est une évidence pour nous ne l'a pas toujours été. Lorsque, par exemple, le 10 novembre 1965, une panne d'électricité plonge à New York 100 millions d'Américains dans l'obscurité, c'est la panique générale. Ce qui donne la mesure de ce que nous devons à l'une des plus grandes inventions du 19e siècle, qui est l'électricité. Nous vous proposons ce soir un voyage au 19e siècle, un siècle littéraire marqué par l'empreinte de grands écrivains, de grandes écrivaines qui font partie de notre patrimoine littéraire, mais également qui font partie de notre territoire émotionnel, intime. Mais il y a aussi ces écrivains d'anticipation que l'histoire littéraire tente à oublier. Ces écrivains qui ont su mettre en mots et en images les conquêtes, les espoirs, mais aussi les fantasmes d'une modernité alors en pleine gestation, en pleine industrialisation. Ainsi en est-il par exemple de Villiers de l'Isle-Adam, auteur de L'Ève future en 1886. Le 19e siècle est certes un siècle littéraire, mais il est aussi un siècle d'innovation technique, d'expérimentation fantaisiste, dans lesquels l'esprit humain a investi sa raison, forgée lors du siècle des Lumières, le siècle des Lumières, c'est très à propos par rapport à notre soirée, sans renier pour autant sa si puissante imagination née de ses ressorts les plus profonds. Car comme l'a défini l'écrivaine Nancy Houston, l'être humain est une espèce fabulatrice qui aime se raconter des histoires pour donner de l'intensité à sa vie passagère, pour faire échec à l'ennui, pour faire obstacle à la mort. Que raconte l'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam ? Faisons toute la lumière sur cette histoire. Ce récit raconte la visite inattendue chez Thomas Edison, surnommé le sorcier de Menlo Park, de Lord Ewald, jeune aristocrate anglais, au bord du suicide. Celui-ci confie son malheur à sa vieille connaissance. Il était pris d'une femme magnifiquement belle. Seulement voilà, si Alicia Clary d'une beauté stupéfiante, sa personnalité, hélas, ne tient pas les promesses de son physique d'exception, de son apparence de femme fatale. En fait, il suffit qu'elle parle pour qu'il y ait rupture d'harmonie, pour qu'il y ait disparate. Une scène du roman l'illustre tout particulièrement. Lors d'une visite impromptue au Louvre, l'amant, Lord Ewald, confronte sa fiancée à une sculpture qui représente effectivement la Vénus Victrix, dont elle semble l'incarnation humaine. Confrontée à cette image qu'elle reconnaît plus pour sienne, « Tiens, moi !» elle ose la comparaison. « J'ai l'air quand même plus distinguée. » et conclut « Mais si l'on fait tant de frais pour cette statue, alors moi aussi j'aurai du succès. » Opportuniste et bourgeoise, narcissique, incapable d'admirer une œuvre d'art, incapable d'aimer un autre ou une autre qu'elle-même, préoccupée seulement de choses terre à terre, ne pensant qu'à faire carrière dans l'opéra parce que c'est à la mode, Alicia Clary cumule les imperfections morales. « Mais qui m'ôtera cette âme de ce corps ?» crie alors désespérément le lord anglais. Cette muse le désenchante tellement que Lord Ewald, qui est un grand romantique habité par le rêve d'un amour unique qui dure toute une vie, songe au suicide pour sortir de cet attachement douloureux. En voyant sa détresse, Thomas Edison veut donc sauver son ami. Mais il trouve aussi dans ce risque suicidaire l'occasion de réaliser son rêve. Et quel est son rêve? C'est un rêve d'idéal électrique. L'inventeur Edison va alors construire sur mesure, afin de satisfaire ce fiancé malheureux, une automate androïde qu'il nomme Miss Adali, à l'imitation parfaite de la jeune femme Alicia Clary. Alors, la volonté démiurgique de créer une compagne digne de l'homme n'est pas neuve. Elle se manifeste dès le texte biblique, dès le récit de la Genèse, où vous savez qu'il y a deux versions, une version selon laquelle la femme est extraite d'un côté, selon les traductions, ou d'une côte d'Adam, ou bien la femme est issue de la même glaise qu'Adam.
La tradition fera le choix de la compagne docile qui enfante dans la douleur et qui est avide de son homme. C'est-à-dire que la tradition fera le choix d'Ève et non pas du personnage de Lilith. Lilith est l'Ève première, celle qui a osé dire non à Adam pendant l'acte d'amour car elle refusait d'être en dessous de lui pendant l'acte sexuel, mais elle est également celle qui a osé se rebeller contre Dieu, qui a osé prononcer le nom de l'ineffable et qui dut se réfugier par conséquent dans les eaux maudites de l'Égypte ancienne. Alors nous pouvons remonter plus loin encore dans la mythologie grecque, dans cette histoire d'amour légendaire qui unit Pygmalion et Galatée, statue sans vie dont le sculpteur tombe fou amoureux. Grâce à l'entremise d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, la statue, froide comme son marbre, s'incarne dans une femme de chair, capable elle aussi de désirer, capable de rendre les baisers qui lui sont donnés, capable de rendre l'amour que le sculpteur lui porte. On comprend que si la femme réelle est une déception dans l'Ève future, s'il faut l'en remplacer par une meilleure version d'elle-même, ici c'est au contraire l'humaine qui est recherchée, qui est aimée en tant que telle dans sa pleine finitude. Et d'ailleurs, Pygmalion épouse Galatée et a des enfants avec Galatée. Alors je pense que vous l'avez compris, le roman de Villiers de l'Isle-Adam semble profondément misogyne, nous sommes d'accord. Il est misogyne ce roman. Il n'y a ni femme rebelle, il n'y a pas de Lilith, il n'y a pas non plus de femme aimée dans ce récit, hormis peut-être la veuve du bon père Emerson, le bon père Emerson est un bon père de famille, qui malheureusement se laisse prendre au filet séducteur d'une danseuse, Evelyn Abal. L'épouse docile subit sans broncher cet incartade amoureux, tandis que le mari, jusqu'alors exemplaire, désormais conscient de son indignité, se suicide. Il y a beaucoup de suicides et de tentations suicidaires dans le roman de Villiers de l'Isle-Adam. Alors, sans doute que le chagrin d'amour de Villiers de l'Isle-Adam, qui a mal vécu une rupture amoureuse avec une riche héritière qu'il allait épouser, a exercé son influence sur les représentations de la femme dans le récit. L'idée sous-jacente, donc l'idée qui sous-tend ce récit, est féroce et génère une logique implacable. Quelle est-elle, cette logique? La femme est déjà en elle-même une illusion, qui prend dans ses filets le cœur de l'homme, qui le pousse à la ruine et au malheur. Alors, puisque la femme est une illusion, autant pousser l'illusion jusqu'à son terme. En effet, elle est déjà en soi un être artificiel. Le vrai corps, par exemple, ne se donne jamais à voir comme tel dans l'authenticité de sa présence. Sa vérité est absente. Et seul un homme de la trempe supérieure d'Edison peut mettre au jour cette imposture et dessiller le regard naïf de l'amoureux. En fait, il n'y a pas seulement disparate entre le corps apparent et le corps réel, comme illustre le personnage d'Alicia Clary. Il y a également disparate entre le corps apparent et le corps et l'âme. La femme, en réalité, est doublement mensongère. Comme l'illustre par exemple le personnage d'Evelyn Abal, la danseuse, qui est démasquée par Edison, c'est l'artificialité de la femme qui repose sur le recours au phare, au dentier, au postiche, et qu'un seul tiroir peut contenir, qui est considéré comme la cause de tous les malheurs de l'homme. Fort de sa démonstration, Thomas Edison en conclut donc que chimère pour chimère, mensonge pour mensonge, pourquoi pas l'Andréide elle-même ? Présentée tour à tour comme une entité magnéto-électrique, comme une créature nouvelle électro-humaine, Adali apparaît comme le dernier des automates et la première des robots. Elle préfigure la Maria de Métropolis, l'Ava de Ex Machina et de nombreuses androïdes de notre culture occidentale. Citons par exemple la Géminoïde F, qui a été créé par un spécialiste de la robotique japonaise et qui a été exposé pour la première fois dans un salon high-tech en 2010. Cette androïde est la copie d'une femme d'une vingtaine d'années aux longs cheveux châtain foncé. Alors la notice d'utilisation précise qu'elle peut rire, qu'elle peut sourire, avoir d'autres expressions faciales plus naturelles et suaves que les modèles précédents. Le sourire semble est censé créer
une relation d'empathie avec le spectateur. Alors, on peut citer également cette première représentante de la quatrième génération d'humanoïdes d'un programme de recherche également japonais, nommé HRP4C. HRP4C. Elle mesure 1,58 m, pèse 43 kg, batterie incluse. Ces mensurations sont basées sur celles des femmes japonaises âgées de 19 à 29 ans. Et donc, il est assez significatif de constater que cette tranche d'âge renvoie à des caractéristiques juvéniles. Vous l'aurez compris, l'androïde de Villiers de l'Isle-Adam semble annoncer l'avènement de ces robots générateurs d'un émerveillement, mais non dénué également d'une part d'effroi. Nous ne sommes pas ici dans l'univers de Jules Verne où le merveilleux des inventions l'emporte. Alors, dans le livre 5 de l'Ève future, qui met en évidence les étapes de fabrication de cet être artificiel, nous découvrons le fonctionnement complexe de cette machine. Je cite, « de cet être fictif, né de la science, de la patience et du génie. Chaque étape du corps artificiel est soigneusement passée en revue, depuis la démarche jusqu'à l'épiderme, en passant par la carnation, par la chevelure, etc. » 4 parties composent structurellement l'androïde. Le système dit vivant, constitué de phonographes d'or, qui agit tel un logiciel commandant aux fils électriques. Le médiateur plastique qui correspond à l'enveloppe métallique articulée. L'épiderme. Et le moteur électromagnétique avec son système d'aimant. Et l'électricité se manifeste, quant à elle, comme le fluide, qui permet la mise en mouvement de cet objet au fonctionnement très alambiqué, comme vous allez le constater. Alors, pourtant, en dépit de son invraisemblance, l'androïde préfigure les robots actuels, car elle réunit déjà les 4 attributs essentiels de la robotique moderne. La mobilité, l'interactivité, la communication et l'autonomie. Avec ses heures d'enregistrement intégrées, elle nous fait penser à ces robots déterministes, qui sont des machines préprogrammées et guidées par l'humain. Mais elle annonce également ces robots dits cognitifs, capables de produire des messages et d'interagir avec leur environnement. En effet, dans l'Ève future, la créature s'autorise des apartés à l'adresse de son amoureux, indépendamment de ce qu'a prévu pour elle son créateur. On comprend qu'une partie d'elle échappe, et que pour créer cette illusion, la science alors ne pouvait pas suffire, ne pouvait suffire. Edison lui a donc adjoint l'âme d'une veuve dans le coma. Il faut savoir qu'en effet, à la fin du 19e siècle, le spiritisme est alors très en vogue, et ici il tient en quelque sorte lieu d'intelligence artificielle. Faite par un homme pour un homme, Adalys semble annoncer ses poupées d'amour et ses robots sociaux, qui servent, plus qu'ils ne le résorbent, plus qu'ils ne le résolvent, les rapports traditionnels entre les femmes et les hommes. Songez par exemple à ce film Blade Runner, où le héros qui accomplit un certain nombre de tâches ingrates au sein d'une société, une société futuriste d'une grande brutalité, rentre tranquillement à la maison pour retrouver sa compagne. Or, celle-ci n'est autre qu'un hologramme, un produit high-tech acheté à une entreprise, une créature qui semble réel, qui lui sert de bons petits plats, qui prend soin de son bien-être, mais qu'il ne peut pas toucher. Amour désincarné ici, projection fantasmatique d'un désir masculin stéréotypé, à laquelle est préférée la présence concrète d'une femme réelle et imparfaite. L'absence de vie organique qui caractérise Adalys, la connaissance de son mécanisme sophistiqué, n'empêche pas le lord anglais d'éprouver, bien malgré lui, des émotions humaines. Grâce au pouvoir de persuasion de Thomas Edison, il élit dans son cœur ce simulacre. Face à cette entité fictive, l'amoureux éprouve de la colère, du désir, de l'admiration. Toute la palette des émotions humaines est convoquée. Ce qui semble annoncer les propriétés de nos robots sociaux, contemporains, qui visent aussi à susciter l'empathie et qui sont programmés également pour diffuser des humeurs, pour diffuser des expressions de visage, pour produire des émotions. Cependant, dans l'Ève future, la quête amoureuse de Lord Ewald est si cruellement bafouée, mise à l'épreuve, que c'est de se faire violence que de s'attacher à pareille créature.
Le dilemme est en réalité permanent tout au long du roman entre cet attachement de substitution et le rejet brutal de ce qui porte atteinte à l'humain. La résistance semble vaine, de même que sans doute la nôtre, face au progrès d'une robotique qui commence à s'inscrire dans notre vie quotidienne. En effet, l'Ève future semble offrir une vision futuriste de ce que nous commençons à peine à vivre. Le robot n'est plus seulement une figure fantastique, emblématique de notre patrimoine littéraire et cinématographique, mais il est une machine de plus en plus aboutie sur le point d'accompagner les êtres vivants que nous sommes. Et ceci, pas seulement pour le meilleur, mais aussi pour le pire, si nous continuons à faire l'économie d'une véritable réflexion sur les questions éthiques, juridiques et féministes que la robotisation actuelle soulève. Par rapport à cette évolution, l'œuvre de Villiers de l'Isle-Adam a quelque chose en plus. Elle a encore le mérite de convoquer le rêve et d'appeler à ce supplément d'âme qui fait défaut aujourd'hui. Car ce récit est aussi un récit sur l'amour, qui évoque son pouvoir de désenchantement lorsqu'il n'est pas à la hauteur de l'idéal forgé. Sa misogynie assumée est tempérée par la recherche d'un idéal amoureux qui serait fondé sur un rapport sincère au long cours, loin des masques de la comédie humaine. L'Andréide apparaît ici comme la solution fantasmatique au désarroi de l'homme à sa solitude affective face à l'échec amoureux. Or, si dans nos vies réelles, les progrès de la robotique ne permettent pas d'abolir suffisamment encore la frontière entre l'humain et le robot, au fil de ces progrès, des sentiments d'affection, d'amour risquent de survenir et d'unir de plus en plus étroitement l'individu à la machine au risque d'une dépendance délétère. À quel nouveau modèle relationnel, et plus particulièrement à quel nouvel idéal amoureux, serons-nous alors confrontés ? Il semble qu'au lieu de renouveler les représentations, les robots compagnons reproduisent les stéréotypes les plus éculés en matière de relations entre les femmes et les hommes. En effet, par exemple, doté de moins de capteurs que son homologue masculin, la géminoïde F qui vous a été présentée, de même que l'Andréide de Villiers de l'Isle-Adam, semble répondre à un besoin de ne surprendre que les mouvements harmonieux. Cet robot limite le corps d'une toute jeune femme, arbore un sourire avenant, bref, hérite des caractéristiques attendues d'un féminin conventionnel, doux et pacifique. La robotique moderne semble réitérer le choix en faveur d'Ève plutôt que de Lilith. Et si Ève il y a, nous pouvons cependant espérer qu'elle prenne aussi la parole pour répondre à son romancier créateur, à son inventeur Edison, et à tous ces futuristes détracteurs de la vie réelle qui méprisent la femme et avec elle la dimension intrinsèquement transcendante de l'amour humain dont elle est la meilleure guide et qu'elle porte en elle. Écoutons donc pour finir la future Ève que préfigure Adali, celle qui a le pouvoir de dire et pas seulement de réagir, qui aura des ailes et renouvellera peut-être l'univers.